Alors, il est en ligne. Je dis. C'est lui qui lancera. Moi, vu que je suis stressé de nature, je suis toujours en avance. C'est bon, on est parti. On va changer de scène. Alors, je sens que je vais en vrai, je sens que je vais en chier quand même. On va dire que faut viser les lanceurs, mais il va forcément les protéger. On peut viser les trois quarts aussi, mais genre même rien que contre les gobelins, même s'ils ont deux de force, je vais en chier en fait parce que ils ont tous esquive quoi, donc faut pas. Moi j'ai pas de bloc, donc ouais. On va voir. Le troll. Ah! Oh. Deux secondes. Non, il a pas griffe encore. On a cet avantage-là. Je crois que ça sent le bénil. C'est un peu ça. Je croyais que s'il est. Non, c'est châtaigne qu'il a d'abord. Je croyais qu'il avait griffe. J'avais oublié. Oui, bah oui, bah go, hein. De toute façon, j'ai rien acheté, hein. Porte-monnaie zéro. En fait, là, c'est pas le Benny Hill, c'est le Hill Valley. J'ai fait une équipe à thème. Tous mes noms de joueurs, c'est des personnages de Retour vers le futur. Que c'est mon film préféré. On va prendre l'attaque. On va pas se faire chier. Bon, je vais afficher toutes les compétences parce que je les repère un peu mal les bas-fonds entre les blitzers et les trois quarts. Il a du banc donc il va certainement titiner peut-être ou en tout cas pallier, ou alors c'est pour pallier à des morts rapides vu que c'est du set d'armure partout à part les blitzers, c'est ça. Mais le troll bien évidemment. Ouais, c'est ça. Alors du coup, je ne connais pas du tout le niveau de mon adversaire, j'imagine qu'il connaît pas le mien. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas joué et j'ai pas perdu cette habitude de bouger la caméra dans tous les sens. Au moins je la fixe en caméra Blood Bowl 1, avant je la mettais en voilà, en caméra libre. Mais ça y est, j'ai pris l'habitude de jouer en caméra Blood Bowl 1. Voilà, oh là là là. Est-ce qu'il va laisser le troll au contact? Non, il va le reculer. Franchement, je serais lui, je mettrais 3 gobes hein, en première ligne. Vu que j'ai pas de bloc, pas de tacle, rien. Alors, faut quand même un pot hein, pour les faire tomber, donc. Bon. Bon, on va faire classique. Ah, j'avais pas vu. Voilà, tac, tac. J'ai que 6 de mouvement. Hein. On va être deux chefs pour bien couvrir. Je vais. Il n'y a pas de frenzy. Non, une case en avant. Voilà. On va taper, hein.
Concentration. C'est bizarre, je stresse un peu. Parce que, ça, je veux dire, il y a pas d'enjeu, ça reste. Oh, surprise, ça c'est chouette. Ça reste un jeu, mais je sais pas, vu que. On va voir si je vais les rapprocher. Peut-être qu'avec le rebond, je vais choper la balle direct. Sait-on jamais. On va mettre là, ça va faire un bloc de plus. Pareil ici, un bloc de plus. On va rapporter un support là. Et lui, on va le laisser. Non, on va le resserrer. Voilà. Le reste, pas besoin. Validons le placement. Dommage. Tu joues ta vie sur ce match. Exactement. Exactement ça. Ok. Va peut-être aller blitzer lui par là. La minus ce truc là. Ouais. Bon allez, on va pas réfléchir 10 000 ans. On va taper. C'est bien ça. Premier bug de la saison, ouais. Ça push, mais de toute façon, je vais avoir du mal à. Je vais avoir du mal à tout faire tomber, hein. Je vais avoir du mal à tout faire tomber. J'ai un chantier négatif. Ok. Alors. Lui, il a bloqué. Alors, là c'est la grande décision. Alors, je pense qu'on va pouvoir faire ça quand même. Ah! Le troll, il tombe, au moins. On va rester quand même. Ok. Allez, on va tenter ça. Ouch. Au moins on ramasse. Comment ça de mouvement ces trucs-là? Je suis pas habitué des bas-fonds. On va protéger un petit peu mieux la balle, je pense, en se mettant là. Allez, fin de tour. Premier bloc de la saison. Là. Non, mais c'est normal. Alors, j'ai vu que j'avais une petite notif. Deux notifs même. On entend ton tut. Ah, on entend mon tut-tut de Discord. Put. Bon, on n'aura pas fait tomber grand monde. Hein. Ça va être compliqué parce qu'avec les esquives. En fait, je pense que si je veux diminuer un peu l'effectif en face, il faut que je cible eux. C'est eux que j'ai plus de chances de faire tomber finalement. Et bizarrement, le troll aussi. Le troll, je peux un peu le gérer. Il va blitzer une chèvre avec son bloc.
Je me sens filous. Tu sais que tu peux parler sur le chat Twitch, hein? Ok. Un petit push. Bon, je peux essayer. Il va y certainement faire un double rideau. Quelque chose dans le genre. Je pense pas qu'il aille se coller. En vrai, enfin, c'est tendu parce que pour lui, je pense qu'il y a deux solutions. Après, je me trompe peut-être parce que justement, il pourrait essayer de venir me coller et me forcer à faire des blocs. Notamment avec ses gobs. Alors, certes, il prend le risque de perdre des effectifs, mais en même temps, vu que j'ai finalement peu de chances de les faire tomber, ça peut me faire cramer des relances, quoi. Bon, après, bon, il veut peut-être aussi sauvegarder sa team. Il recule vachement. Donne presque envie d'aller piétiner ça. Bah, j'ai pas de banc. Pas de banc. En fait, j'ai hésité entre trois relances et prendre deux relances et prendre une chèvre en plus pour pouvoir piétiner. Parce que là, piétiner le troll, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être très intéressant. À mort le troll, oui. On va essayer d'optimiser un peu les blocs quand même. Elle commence bien cette saison. Bon. J'ai craqué quand même deux relances en deux tours quoi. Optimi quoi. Bon, c'est qui lui? Ah bah c'est Jennifer Parker, voilà, c'est pour ça. Elle est aussi useless sur le terrain que dans le film. Bon, la balle est protégée quand même. Il a pas osé avancer. Faut taper avec Biff, il est où Biff? Mais en plus, je l'ai mis, hein, Biff. Biff, il est où? Ah non, j'ai mis Griff. J'ai mis Griff, Tannen. J'ai pas mis Biff. J'ai mis Griff. Qui est encore plus costaud, en théorie. Ah, lui aussi, il optimise les blocs. Mais on est d'accord là, j'ai pas fait de conneries. Non, j'ai pas Peabody, non. J'ai pas Peabody, j'ai Griff, j'ai Strickland, Goldie Wilson, Lauren Baines, donc la mère de Marty, Griff, Goldie, attends, je sais plus, Biff. Ah si, j'ai Biff et Griff. Et Biff qui a la balle. Salut Alien, c'est ici le poutring, ouais, bah écoute. Tu fais quoi? J'ai deux tours, trois doubles crânes, hein, c'est ça. Enfin, c'était le premier, c'était un crâne, un deux au sol, mais bon. Hey! Ah, une petite expulsion. Donc ça, c'est bien. Oui, la reprise est dure, ouais. La reprise est dure. Alors, toi, tu te relèves. Je l'ai à peine touché. Alors, quoi est-ce qu'on fait? Quoi qu'est-ce qu'on fait? Ça me tente bien d'aller essayer de choper ces lanceurs et ramasseurs là. Toi, tu vas juste te relever du coup. Là, on est bien. Donc du coup, on va
Essayer de taper le troll. Avec Marty Mc... non, pas avec Marty McFly. On va le mettre là. Voilà. Voilà, on va te mettre... là, t'es un peu loin. Voilà. Par contre, j'aime pas ça. Alors, attends, on va blitzer lui. Je vais me retrouver là, à peu près. On va essayer d'avancer un peu la balle quand même. On va faire un... un peu la... la noob cage, entre guillemets. J'ai pas envie qu'il me fasse de push-push trop facile. On va mettre la balle ici. Voilà. Ensuite, on va taper lui. On va poursuivre. Voilà. Bon, ça, ça c'est bien. Ça c'est chouette. Alors par contre, lui, j'aurais dû avancer un peu. On va resserrer là. Là, c'est juste pour éviter de contourner un peu trop. Et on va essayer de... Alors du coup, voilà. Soit... Mais je peux prendre un coup. Soit j'essaye de d'isoler ces trois-là en tapant ici. Soit je dégage là pour isoler par là, sachant que il y a moins de blocs. Là, je vais me prendre un coup, il va se barrer. Je pense qu'on va essayer de taper comme ça. Hein, c'est tout. Ah, ça tape. Alors la question c'est, est-ce que je prends une case ou pas? Parce qu'il, du coup, lui, il risque de se faire piétiner aussi. On va rester là, je pense. Allez. Cage de troll où je rêve, oui, ça j'ai lu, qu'est-ce que je disais? Oui, oui, bah oui, c'est fragile un troll. Deux tours sur le terrain, ouais. Les big guys, j'ai l'impression que c'est tout ou rien. Souvent, soit ils se prennent un coup au bout de deux tours. Plus rien n'a de sens à le ball banane. Hein. Hey! Bon, je lui ai laissé un bloc ici. J'ai hésité en me disant ah, je pourrais peut-être faire l'esquive, blablabla. Mais bon. Sonner, ça me va. C'est bien parce que j'arrive à avancer quand même, petit à petit. En plus, je suis vraiment une chiasse en attaque. En attaque, je suis une chiasse intersidérale, quoi. Un tocard, c'est Strickland. C'est qui Kamikao le... Ah bah c'est Griff. C'est Griff Tannen. Comme quoi. Marty McFly. Ah oui, c'est Strickland là, qui a été KO. Je crois que j'entends ma fille, j'ai peur que ça se passe mal. Aïe! Elle va le mettre là, elle va aller le piétiner. Ah! Sonné! Est-ce qu'il va quand même aller le piétiner s'il est sonné? Je ne sais pas. That is the question. Bon, de toute façon, il fallait s'y attendre hein, qu'il piétine. Hein. Il fallait qu'il s'y attende. Il recule petit à petit. Ah, il va mettre la pression derrière. Ouais. Ça m'inquiète pas trop. Là, pour l'instant, ce qui me tente, c'est que s'il bouge pas lui, ça m'intéresse grandement.
Alors, qui c'est qu'on fait taper? La DeLorean pour bien écraser les gens. Faut lui mettre écrasement à lui. Enfin, faut déjà qu'il pexe. Moi, je pense que ça se voit, mais. Salut Gagaro, eh oui, je stream. Je pense que ça se voit, mais je suis un peu stressé et je ne sais pas pourquoi. Parce que ça me fait plaisir de jouer à Blood Bowl. Et ça, en fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas stream et tout que je sais pas, j'ai l'impression de commencer quelque chose de nouveau alors que ça fait 8 ans que je stream, quoi. C'est bizarre. Ça va bien, Gagi? Ça fait un moment? Enfin, quoi que non, parce que je t'ai envoyé des messages hier. Il recule. Très bien. L'Artak qui met la pression sur ça, j'arrive plus à streamer. Ah bah la nôtre aussi en ce moment elle est bien casse-noisette. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on fait. C'est vrai que je pourrais plus profiter de mes 4 de force maintenant que le troll est tombé. J'aimerais bien essayer de choper le lanceur en fait. Et j'aimerais bien le choper avec 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est vrai qu'ils ont pas beaucoup de. 3, 4, ils seraient là. Ouais, mais le problème c'est que du coup faut que je déplace là. Ouais. On va avancer un peu. On va remettre la cache par là. Voilà, on gagne une case. Et on va essayer d'avancer un peu au prochain tour. On va essayer de jouer un peu plus serré. C'est ouf, hein! Je garde la relance. Je relance pas. Je garde la relance. J'ai pas envie de claquer ma dernière relance maintenant. Tant pis, je risque un piétinement. De toute façon, il y en a trois à terre là. Il peut piétiner celui qui veut. Mais c'est le quatrième double crâne en 4 tours quoi. C'est ouf. Ah, je préfère que. Enfin, à ce stade, je préfère garder la relance. Il a 9 d'armure. Bon. Il y a quand même peu de risques qu'il tombe. Mais c'est dommage d'avoir loupé l'opportunité de faire tomber son. son lanceur. Mais bon. Ouais, les dés sont aussi stressés que moi. Ça doit être pour ça. Tiens, Alien, t'as combien de cyan, toi? Parce que j'en ai plein à refourguer, si t'es intéressé. Si tu veux débloquer tous les trucs Artag aussi, bien sûr. Je ressens sur l'action, quand même.
Ouais, du coup, ça lui ouvre l'opportunité sur la cage parce que je pensais à replier mon. En fait, je pensais à avancer l'homme bête qui était derrière et replier le. Oh là là, le guerrier. Mais là, du coup, ça pue du cul. Ça pue du cul. Bien sûr, va piétiner là. Donc ça pue pas du nord que ça. C'est pas faux. Vais hésiter à prendre Nurgle en roster aussi. J'aurais dû m'écouter, j'aurais dû prendre Homme Lézard. Ou une nain. Ah oui, d'accord. Oh, Marty McFly, pourquoi? Arbitre! Arbitre! Alors, toi, tu te relèves, tu vas pas me servir. On va tenter un truc. Parce que j'aime tenter des trucs. Attends, je réfléchis. Ça risque de prendre longtemps du coup. ouais, mais faut que je le tombe. Mais ça pourrait le faire. Voilà, il y a moins de monde par là. Allez, on va essayer. J'aurais pas dû me mettre là. Ce n'est point grave. On va tenter l'esquive. Ou plutôt ça. Voilà. Alors maintenant je me mets où? Un peu un fou. Je tente des trucs. Voilà. On peut toujours faire des trucs avec ses gobes, mais on va tenter.
Il peut aller blitzer, hein. Il peut aller blitzer normalement à 2D, hein, si je dis pas de conneries. Ah, il va y aller au blitzer. Ouais. Il aurait pu aller blitzer au gob. Hein. En mettant lui là, il aurait pu. Bon, après, je comprends qu'il va le blitzer avec son bloqueur, mais. Donc là, il va certainement le pousser là pour essayer et faire en sorte que la balle tombe dans ses pattes, quelque chose dans ce genre-là. Donc on va prier. Mais bon, il y a quand même beaucoup de chances qu'il y arrive. 3 plus avec relance, 2 débloque. Couche. Ça tombe. Ah, putain, la bonne dispersion. Ah! Est-ce qu'il va relancer ou pas? Ça, c'est la question. Je peux venir. Hein. Et alors? Bon, mais il reste plus qu'une chose à faire. Est-ce qu'il fera massage? Est-ce qu'il veut le faire? Il reste lâche le blitz. Avec lui. Paf paf. D'accord. Ah oui, il met des zones d'attaque, quoi. D'accord. Alors, c'est pas lui qui va ramasser, c'est sûr. Par contre, on va le relever pour éviter que ce soit trop simple pour les zigotos d'aller ramasser. J'aimerais bien se faire ce bloc-là pour pouvoir mettre une chèvre dans le coin et pour pouvoir ramasser si possible si ça tombe dans le coin. Parce que clairement, le blitz, il va être là. Toi, tu te relèves, bien évidemment. Voilà, donc lui, on va taper. Toi, tu vas revenir là. Alors, quoique, est-ce que je blitzerai pas avec lui? Ça fait un GFI, ça, hein? Non, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Non, c'est bon. Ça passe. Alors, par contre, je veux pas qu'il ramasse des trucs. Je veux pas qu'il ramasse des trucs. Donc, on va le bloquer là. On va faire le blitz qui est le plus important, mais j'aimerais vraiment, enfin c'est con, j'aurais vraiment aimé pouvoir bloquer lui parce que du coup si la balle tombe de ce côté-là, ça va être casse-noix. Est-ce que j'ai autre chose à faire? Non, parce que en fonction d'où va rebondir la balle, je veux des chèvres libres. Allez, on y va. Ça tombe pas, mais au moins on couche. Bien sûr, on poursuit. Non, le chat.
Ok. Ok. J'ai un jet à fille, un ramassage à faire à 4+. Est-ce qu'on le tente? C'est chaud, quoi. Est-ce qu'on le tente? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais pas faire ce bloc-là tout de suite. Il faut d'abord que je bouge mes bonhommes. Tac, tac, tac. Mais eux, j'aimerais bien les bouger. Pff, à la limite, je vais bloquer comme ça. Ah, je peux pas. Ah bah oui. Du coup, faudrait que je fasse le bloc avant, mais si je le fais pas tomber. Non, c'était pas le pire des rebonds, c'est clair. On va se mettre par là, on va voir une chèvre libre dans le coin. J'ai pas de. J'ai pas de backup par contre. On va le repousser loin de la balle lui. Alors. Ah, j'aurais préféré le faire tomber. Bon, bah ça c'était couru d'avance. Poursuivre par là. Tant pis. Du coup, on va mettre une chèvre là. Et tac tac tac, et on va enlever son support ici. Voilà. Il a son blitzer de libre, mais bon. Ça tombe. On va rester pour avoir une chèvre en backup. Voilà. Un certain suspense, ouais, c'est clair. Le touchdown pour l'instant est faisable. Pour le moment. J'ai toujours une relance, donc j'ai bien fait de prendre un crâne tout à l'heure. Donc il y a moyen de moyenner, bon, il a toujours deux relances, donc il peut tenter des trucs aussi, hein, des esquives et des machins. Donc là, rien n'est joué, c'est clair. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire une esquive au gob, venir apporter un support, taper là, libérer la balle, se barrer avec. Bon, j'ai toujours lui en safety. Ah! Ouh, le double 1! Ça, c'est bon! Alors, le plus important, c'est quoi? Le plus important, j'arrive pas à voir là, c'est de dégager lui. Comment on dégage lui? Alors, j'ai un push-push sur le gob là. Peux amener un. Ah oui, mais. Si je peux amener un support. Non, je peux pas amener un support en fait. Parce que si ça foire, le gob sera toujours là. Donc le mieux c'est de taper lui directement. Bah, il faut quand même un support. Et lui qu'il faut que je libère du coup. Donc pas le choix, faut que je tape là. Et ce bloc me fait peur. Ça va. Voilà. Et je suis con, je peux pas amener le support en fait. Débile. Bah sinon je blitz, mais ça me fait chier de blitzer lui. Non, là j'ai un paquet à mettre. Bon bah tant pis, allez, on va aller au plus simple. On poursuit. Ok. On va.
3D lui. Bien sûr, on va le mettre là. J'aurais pas dû poursuivre. Tant pis. En fait, là, j'hésite entre taper et protéger la balle. Un tour de plus. Mais si je protège, ça va être où? Ah mais attends, j'ai cette bestiole là, je l'ai oublié. Qui est trop loin pour tout, mais ça peut peut-être suffire pour protéger. Du coup, on va amener le support ici. Taper là. Voilà, faire tomber le lanceur. La 7 de mouvement, cette bêtise là. Oh putain, quel con! J'ai pas vu le trou. Débile. J'ai pas vu le trou. C'est pas grave. Du coup, on va faire ce bloc là pour pas qu'il ait un lanceur. Facile. Voilà. Bah du coup on va faire ça. Ça change rien. Approcher là. Fait quand même pas mal de double crâne hein, sur ce match. Mais bon, c'est pas grave, c'était la dernière action. Ah, j'ai vraiment pas vu le trou quoi, quel con. Ça tape hyper mou, ouais. Bon bah prochain tour, faut essayer de choper la balle. En espérant qu'il fasse pas un move bizarre. Qu'est-ce qu'il peut faire? J'ai bloqué son blitzer, il peut toujours tenter un truc avec ses gobs. Oh, en tapant là, il relève là, en tapant là. Peut-être faire du push-push et dégager du monde, mais... J'ai une chèvre qui est libre toujours. J'ai deux chèvres libres. Ses lanceurs sont au sol. Il va avoir quand même du mal. Non, celui-là est debout, pardon. Mais il va, je pense qu'il va quand même avoir du mal à bouger. Ouais, il peut blitzer là. Ah, il va faire rebondir la balle. Bien vu. Je l'avais pas vu celui-là. Ah, ça se voit que j'ai perdu quand même. Hein. C'est dur la reprise. Ok. Donc il peut ramasser la balle. Bien sonné. Après, où est-ce qu'il va aller? C'est ça le truc. Par contre, s'il récupère pas la balle et qu'elle sort, après il peut toujours la balancer à un endroit où je peux pas la choper ou alors qu'il me fera faire trop de dés. Putain, je me suis saboté, j'ai pas vu le trou, je sais pas pourquoi, j'ai juste voulu taper quoi. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Hésite, hésite. Après tout est au sol, il peut. Ouais mais il peut toujours mettre la balle sur son bloqueur. Même pas trop. Je sais pas là. Je pense que à moins de faire une bombe ou je ne sais quoi ou que la balle tombe. Voilà.
Ok, il ramasse. Alors, où est-ce qu'il va se mettre? Ce qu'il pourrait faire, c'est venir là, transmettre et esquiver et se barrer. Ok. Après, ça va être dur de le faire tomber, hein. Alors, est-ce qu'il va faire la transmission? J'avais vu aussi ce move là. Donc il va... Ah non, du coup il fait pas. Ça c'est bien. Ça c'est pas mal du tout. Alors, réfléchissons avant de faire des n'importe nawak. Nous avons besoin de blitzer le porteur. En espérant que ça tombe. Ok. Donc, pour ça, il faut taper là. 3, 4, 5. Je pourrais enlever les supports en le mettant là éventuellement et blitzer à la chèvre. Mais alors, par contre, pour ramasser après, ça va être tant d'axe. Si je tape là et que je fais tomber, c'est bon, mais je peux pas trop compter sur faire tomber. Après, si je... Attends, si je tape là, je pousse, j'annule le support avec lui. 5, et j'ai 3D en théorie. Non, faut que je fasse tomber pour avoir 3D. On peut tenter ça. On peut tenter ça. On va relever lui. De toute façon, il va pas pouvoir marquer. Donc, le bloc. Ah, bah oui, mais il faut que je retire le support d'abord, je suis con. On va venir là. Alors, j'ai dit quoi? Ah, je sais pas, je vois pas le compteur. Ah là, j'ai pas le choix, hein. Alors, je fais tomber par contre, ce qui est vachement bien. Donc, on va venir là. Ok. Ah putain, j'ai un paquet. Mais avec. Voilà, avec la corne, ça va passer. Et j'aurai pas de paquet. Oui, mais c'est lui qui ramasse. Ah! Fuck! En plus, je peux peut-être faire tomber un truc. Bon, allez, vas-y. Ça tombe. Alors, la the question is. On va pousser par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais rester pour éviter de prendre la balle. Et après, j'ai que ça à faire, hein. On est d'accord. Allez, on tente. Je fais pas les blocs pour le. Trop facile! J'ai tellement serré les fesses que mon siège est rentré dans mon cul. Voilà. Ah bon, il y avait plus simple par tag? Possible, hein, j'ai certainement pas vu le truc. Le troll est revenu. Il a lancé de coéquipier, lui. Ouais. Donc on va multiplier les zones de tacle autant que faire se peut. On va mettre
Oui, ah oui, non mais d'accord. J'ai fait une erreur. Ça arrive à tout le monde. On va mettre les 9 d'armée en devant, ils vont certainement se faire piétiner, mais bon. Oui, je sais bien qu'il y a le bouffage de coéquipier. Mais bon. Voilà. Je sais jamais si je mets les hommes bêtes ou les guerriers devant. Les guerriers coûtent plus cher, mais ils ont 9 d'armure. Mais en même temps, j'ai pas trop envie de me retrouver en ce moment. Je sais pas. Bon, allez, on valide. Pour ceux que les bons coachs trempent leur gueule dans la pommade avant le match, comme s'ils ont mauvais goût. C'est une technique. Bon. Ça vous va en fait cet overlay là? J'ai essayé de garder simple. En fait, du coup, c'est la deuxième fois que je l'utilise parce que la première fois c'était pendant la bêta de Boot Ball 3. Enfin, la première là en juin qu'il y a eu. Pas celle de c'était quand et celle de d'octobre c'était en octobre la dernière novembre je sais même plus non c'était même bien plus tard que ça il y en a eu deux c'était quand la deuxième j'avais pu faire que qu'un match parce que c'était une semaine où je pouvais pas jouer la première du coup j'avais streamé un petit peu et cet overlay date de juin dernier du coup. Et en fait, j'ai essayé de récupérer un peu la charte graphique de Blood Bowl saison 2, quoi. C'est super avec ton overlay, c'est que dans la webcam, il n'y a pas Morphin Slip. C'est vrai que des fois, je l'aime bien Morphin, il n'y a pas de soucis. Hein. C'est vrai que des fois, c'est dur de comment il gueule et tout. Alors que moi, de mon côté, vous verrez plus quelqu'un de dépressif. Quoique ça va, je me suis pas mal arrangé quand même. Ah du coup, Alien, t'es arrivé un peu tard tout à l'heure, mais t'as pas vu l'overlay d'attente, etc. Moi aussi. Je me suis bien fait chier. Bon bah ça va, la balle tombe bien. Je me suis bien fait chier pour faire un truc sympa et tout, pour une scène blabla, une scène d'attente. Je la remettrai tout à l'heure à la fin du match. Du coup, la petite dort, et ça c'est bien. Il y a un peu de temps a priori, mais. Du coup, il n'y aura pas de pause dans le match. J'avais un peu peur de ça. Non, pas la DeLorean. Marty est toujours pas revenu. J'espère qu'il reviendra pour la deuxième mi-temps. Après, en général, quand même deux souvenirs. Même en prenant des serveuses en général, mes KO restent KO, donc. En même temps, c'est l'équipe du KO. Ah, ça tient. Ça claque pas la relance pour ça, par contre. Si tu veux faire ton lancer.
Alors, on va se mettre en caméra machin, on va voir de son côté comme ça. Oh, le double 1 sur la Dex. Dommage. Bon, bah, il n'y avait pas grand-chose à voir. Bon. K.O. est revenu. Enfin, le Marty est revenu. Donc, ça, c'est chouette. C'est plutôt chouette. Là, on va mettre des chèvres pour protéger la ligne. Ensuite, on va mettre ça. Alors, il peut toujours faire un one turn avec. Marquer rapidement et essayer de me shipper la balle après coup. Mais ouais, j'aime bien ce truc-là. Mais j'y crois pas trop quand même. Aïe. Là, je vais me prendre une baffe du troll, c'est clair. C'est quoi ses noms de joueurs, lui? Bob. Et. Beau. Gilles. Ouh, ça sort le Marcel. Gus. Gus. Il a deux Gus. Beau, Tété. Lucien. Léon. D'accord. J'ai pas la ref. Ou alors ça forme une phrase, j'avais fait ça aussi, ça forme une phrase dans la liste d'équipe. Donc là il doit marquer, me piquer la balle, enfin marquer et me piquer la balle et remarquer. Ce qui est largement faisable avec des bas-fonds. Bon, y a eu zéro blessé. Bon, en même temps, vu le nombre de double crâne que j'ai fait, ça aide pas à faire des blessés. Il va blitzer une chèvre, il va foncer de chaque côté. J'espère qu'il va pas jouer le nul. Non, je pense pas. On va voir. Si j'ai un blitz, je pourrais peut-être avoir un trouble. J'aime bien. Je sais que c'est dangereux, mais je vais tirer un cran en arrière. Ah, surprise. Très bien. On a eu le même événement. On a eu exactement le même événement. Ouais, il va tenter de marquer vite. Hein. Ce qu'il va certainement réussir à faire parce que c'est gobelins et tout pour le moment. J'ai rien pour les contrer. Un premier match comme ça, KO. Pas de. Qui a marqué en fait? J'ai pas fait attention. Une bête bête. C'est Strickland qui a. C'est Monsieur Strickland qui a marqué. Très bien, très bien. Qu'un tocard. C'est mon film préféré, clairement. Vous savez que les réalisateurs avaient dit eux-mêmes que la version française du film était bien meilleure que la version anglaise. Moi, je peux pas regarder ce film en anglais, quoi. C'est français, c'est enfin français, c'est enfin, les dialogues sont tellement bons, je trouve. Le doublage est tellement bon. Retour vers le futur, Alien.
que ma team s'appelle Back to the Future et c'est mes bonhommes, c'est les noms des personnages des films. Ok, ça passe. D'accord. Une petite passe en arrière, ça je veux bien. Alors. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire un double rideau direct en fait. Mais bon, tant pis. Il va blitzer la chef qui est là. J'ai vraiment joué très peu souvent contre Bafon, hein, je crois. D'ailleurs, une des seules fois où j'ai joué contre eux, l'équipe était bien, avait bien pex et du coup. Ah, tiens! Non, mais alors ce match, quoi! Alors, est-ce qu'il va relancer? Il relance. Ouais, bon, ça lui fait griller une relance quand même. Voilà, 1, 2, 3, 4. Je peux le blitzer à 2D pour le moment. Bon, là, il va libérer lui, il va certainement me bloquer. Avec un GFI, je peux le blitzer. Pour le moment. J'aurais même tenté le 3D. Alors. Ah oui. Ça sent l'échange de dés à la mi-temps, ouais, possible. Allez, tombe! Pour l'instant, ça change rien. Oui, vas-y. Du coup, ça c'est dur, ça quand même. Petit peu mieux. Passe. C'était couille. Ok, alors quoi qu'est-ce qu'on fait? Quoi qu'est-ce qu'on fait? Bah, toi tu te relèves, tu vas servir à rien. On va pouvoir pousser le troll et libérer lui après, si tout se passe bien. On va enlever les supports ici. Alors, the question is, un paquet. 3, 4, 5, 6. Avec deux paquets, je peux blitzer à 3D. Donc je pense que c'est ce qu'on veut faire. On va l'obliger. On va le bloquer un peu quand même. Alors attention de ne pas me bloquer le chemin quand même. Lui on le ramènera après.
On va enlever le support là. En fait, c'est ces deux-là qui m'emmerdent un peu. Soit je me mets là. Oh, mais problème. Ah, si, c'est le problème. Réfléchis. Ah, si je me mets là. Pour pas trop apporter de support, j'imagine. On va se mettre là. Eux devraient être trop loin, je pense. Lui, il est coincé. Lui, ça va être compliqué. Je vais faire une esquive là. Alors, je vais me mettre là. Je devrais pouvoir. Ah, je sais pas. En fait, il peut passer là comme un con. Donc en fait j'aurais dû me mettre là. Non, en fait j'étais bien là. Là c'est dans l'os. Bon, ah, tant pis. Il manque un joueur. Faudrait être 12 sur le terrain. Mais bon, déjà je pense que. Enfin il peut faire des trucs, hein. Il peut venir là, taper là, enfin il y a des solutions. Il y a des solutions à cause de ces deux-là. Ah, très bien. Bisous, bonne nuit. 1-0 pour moi pour le moment, deuxième mi-temps. Et ton max. Voilà. Donc... Il va blitzer là. Ça tombe. Ah, il fait que pousser. Pourquoi pas? Pourquoi? En plus, il se bloque le chemin. Là, j'ai pas compris. Pour mieux défendre la balle. Il peut esquiver là, il peut venir là. On va dire que c'est le stress. Débile. Il pourrait genre prendre un gobelin, taper là, prendre l'autre gobelin, venir là, taper là. Le coach Ratson de plus, il fait un cerf-volant. Exactement. J'ai l'impression qu'il sait pas trop quel plan de jeu adopter du coup. Voilà, c'est bon, vas-y, prends cela, tu le mets là. Voilà. Voilà. Tu me tapes là. Oh, il stream snipe. Il a vu ma solution sur un stream. Je pense qu'il l'aurait vu de lui-même. Et après, vu tes minus. Ah ouais, tu viens là directement. Ok.
Oh. Il va tenter un truc de dingo dingo. D'accord, un dé. Bon, c'est vrai que c'est pas déconnant le 1D là. Parce qu'il a bloc, donc why not? Bien joué ça. Alors en vrai, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Parce que c'était bien joué. C'était vraiment bien joué. C'était un bon plan de jeu, je l'avais pas vu. Alors, toi, tu te relèves, de toute façon. Ça, c'est sûr. Toi. Toi. T'es trop loin, tu vas venir là. Voilà. Alors, ce qui m'emmerde, c'est que du coup, je peux pas sortir lui. Toi. Va venir là. Toi, tu vas venir bloquer là. En fait, ça m'emmerde parce que je peux juste pas. Bon, déjà, on va mettre une zone de tacle. Là, j'ai une chèvre. J'ai besoin d'ouvrir la voie quelque part. Ça, c'est un bloc important. On va le mettre là. Je suis obligé de le poursuivre pour ouvrir la voie. Non, pas du tout. J'étais pas du tout obligé de le poursuivre. Du coup, j'aurais dû rester. C'est pas grave. Du coup. On va venir. C'est comme ça. Ça touche, c'est bien. On va l'écarter. Ok. Ensuite, lui, j'ai plus de chances de le faire tomber. Lui, ça tombe. Oh, KO, ça c'est bien. Ça, je prends. Du coup, on va mettre une seconde zone de tac là, ou alors je me mets là, comme ça il est prêt à dégager. Et ben, on va faire ce bloc là. Hein. Ah! Bon bah. Bon.
Alors du coup, s'il peut relever lui, s'il amène le... Ah oui, le troll, hein, je fie, faut quand même qu'il se relève, bien se relever. Il se relève, ok, il se relève. Je suis pas sûr qu'il fasse le GFI avec, ça c'est clair. Donc en première action, ça serait bizarre quand même. Là, il peut indé, lui il est bloqué, il a plus son deuxième blitzer, donc ça va aider. Il peut me faire un truc à la con, hein. Les gobes là. Après, il peut tenter. Ah bah non, il est bloqué. Il peut venir, voilà, un 3 plus ici, amener le support, pusher là, esquiver là. Enfin, il y a des solutions quand même. Il y a des solutions. Alors, je pense que quand même, s'il veut faire ça, je pense que quand même faire le 3 plus ici est plus safe avec esquive et le blocage à 2 dés là. Sauf s'il veut absolument ramener. Ce qu'il peut faire aussi, c'est essayer de ramener lui. 3 plus ici. Blitzer là. Enfin, quoique non, s'il veut garder l'arme blitz ici. Enfin, en tout cas, pour ramener un Dext. C'est pas. Il y a plusieurs solutions. Ouais, franchement, moi, à sa place, je sais pas ce que je ferais. Ça, c'est pas con du tout. Il peut toujours ramener en plus son Dex de derrière. Là, ça tombe. Ok, ça tient. On a 8. Ça, c'est le move. Ça, c'est certainement le move que j'aurais fait moi. Au moins pour ramener le bloc à portée. Est-ce qu'il peut pousser sur la balle? Je crois pas. À moins qu'il tente. Non, il tente aussi. Il peut tenter un dé là. C'est ce qu'il va faire. Ça reste chaud, hein. Voilà. Un. La relance, est-ce qu'il claque la relance? Oui. Ok. Alors, j'ai très très envie de faire ce bloc, mais ne nous précipitons point. C'est-à-dire que déjà, on va ramener lui. Le blitz est là. Et en dégager deux. On peut emmener la DeLorean. Ça peut le faire. Du coup. De toute façon, on va le mettre là, lui. La question, c'est est-ce que je ramène un 4 de force? Un 4 de force, ça pourrait verrouiller la situation aussi. Là, ce qui m'emmerde, c'est lui. Tant pis, s'il se fait surfer, lui, mais il va bloquer son bonhomme. Ou encore mieux, lui, je le ramène là. Comme ça, je blitz à 3D là-dessus. Alors j'ai très envie de prendre le push pour surfer complètement. Je vais grid un peu, j'ai envie d'essayer de faire un peu d'XP. J'aurais pas dû le pousser vers la balle, c'est pas grave. Bon, un KO c'est pas mal. Du coup lui peut reculer. Toi, bien sûr. Tu dégages. On va rester. Une blessure. Du sang! Voilà, Alien. T'as du sang, t'es content? On va taper là pour avoir un autre bloc. Éventuellement. Ok.
J'aimerais me mettre là. J'ai envie de taper moi aussi. Oups. Ok, bon. Ce tour est plutôt bien. Apothicaire. Mort, je crois. Ouais, mort. 6, mort ou mort. Sortie 6, apothicaire 6. Ouh, ça fait mal. Je suis pas là pour détruire la team des autres. Hein. Allez, on ramasse maintenant. Et on court. Bon. Alors, j'ai le temps de courir, il a le temps de ramener le troll. Est-ce qu'il peut tenter des trucs? Tenter des trucs, hein. Je peux tenter ça. Oh, je devrais pouvoir quand même. Alors, il va falloir que je laisse une bête ici. Il va falloir que je contrôle lui. Enfin, il peut esquiver là. Là, je pars un peu en mode patate. Mais j'aimerais bien essayer de faire pexer les guerriers qui se bloquent. Donc bon. Ça peut valoir le coup. En tout cas, on a la balle, déjà. Ça, c'est bien, pour le moment. Je suis pas sûr qu'il puisse la récupérer ce tour-ci. À part avec un exploit de TT. Ouais bon, ça c'était couru. Je lui ai laissé une croquette. C'était voulu, mais c'était pour bloquer lui. En fait, je voulais absolument bloquer lui et garder le maximum de chèvres. Il y avait peut-être un autre moyen de le faire. KO, ça va. Strickland est KO. Du coup, il passera pas de level. par contre, c'est bien parce que je vais peut-être pouvoir les coincer là. Bon, après, là, il faut qu'il lance des brouettes de dés, il a plus de relance. On va essayer de se recentrer. Il y a un troll en safety. Bah ouais, ouais, surtout que le troll peut me rattraper. Hein. 4 de mouvement, j'ai que 5. ça se fait, ça se fait. Bon, on va se recentrer de toute façon. Ok. Alors, toi tu viens là. Voilà. Tant pis, il sera un peu oublié. Mais tant pis. Lui il peut atteindre n'importe où, lui aussi. Je me demande si mon blitz ça va pas être lui, tout simplement. En se mettant là, en blitzant là. On va ramener de la force de frappe par là aussi. J'ai bien envie. Ah, je sais pas. Est-ce qu'on a envie vraiment que le beat ça soit lui? Parce que là, je pourrais bloquer son blitzer en fait. Aussi. En le blitzant sur le bord du truc. Là.
J'hésite. J'hésite, j'hésite. Je rappelle que je lis pas forcément le chat hein, pendant mon tour. J'essaye d'expliquer un peu ce que je fais. Mais si je lis le chat après, enfin pendant mon tour, le temps passe à une vitesse. On va le bloquer. On va le bloquer là, comme ça. Voilà. On va faire comme j'imaginais. Ah, j'ai une chèvre encore là. Là. Par contre, il va falloir que j'avance. Je vais marquer. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ouf, oui. Il va falloir que j'avance. Du coup, j'ai fait un peu de la merde. J'ai fait un peu de la merde. Parce que là, je suis dans le mal. J'avais pas pensé à ça. Bon, c'est pas grave. On va le faire. On va courir après. Après, on court. Ah, ça m'a permis de me repositionner au moins. 4 tours, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. Ça passe. Par contre, faut que je cours. Ouais. J'oblige à faire des blocs ou des esquives au moins. C'est très éparpillé. Hein. En vrai, il y aurait quelqu'un à côté de lui, ça serait pas mal. Hein. Ça serait risqué, mais pas mal. En vrai, il peut relever lui, esquiver là. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il peut peut-être blitzer mon. Blitzer là. Venir se coller. Enfin, y a des solutions encore, mais. Ça reste compliqué, il a plus de relance. Hein. Pour l'instant, j'ai toujours mes 3 relances, donc on va pouvoir tenter des trucs. Est-ce qu'il a vu un play? Ok, c'est bien. Bien joué. Ça va faire mal avec la châtaigne. Allez, le petit Jaffy. Mais finalement, c'est pas si mal que ça parce que j'ai juste à pousser le troll ici et à courir. Alors, s'il fait ça, je vais être obligé de blitz avec le porteur, je pense. On va voir, on va finir son tour. Pas de soucis, Alien, t'inquiète pas. Moi, je sais même pas combien de personnes me regardent. Je cache le compteur. Je sais que j'étais trop stressé par rapport à ce truc-là avant. J'étais tout le temps en train de jeter le compteur et tout. Alors, du coup, maintenant, j'ai plus le compteur. Et du coup, même quand il y a personne et tout, je trouve ça plus simple de parler, quoi, de discuter et tout ça. Donc, voilà.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et qui parlent pas aussi, donc. Ok. Ouh, le chaos. Le chaos, le chaos. Ah, ça va me faire jeter des dés quand même, hein. Alors. Va falloir que je relève là, mais est-ce que je blitz? Parce que 3, 4. Non, ça suffira pas. Je sais pas si je vais avoir assez de peps. Putain, j'ai la bête qui m'emmerde là. Non, faut que je vienne là. Oh, je vais tenter un truc. Là j'ai 2 dés, très bien. On va tenter des choses. Lui il va jusqu'où? Il va jusque là. Bon, moi j'aime tenter des choses. Donc on va tenter des choses. Donc on va faire les jets les plus importants d'abord. Ça c'est bien. En fait, lui va pouvoir me rattraper, mais bon. Ok. L'objet le plus important, ça va être lui. Pour mettre sous contrôle son bloqueur. Il peut blitzer là-bas, ça c'est de l'emmerde. Le G, deuxième G le plus important, c'est lui. Voilà. Pour pouvoir repousser lui. Ça tombe. Enfin. Voilà, donc la balle est un peu près safe, à part peut-être un gobelin qui pourrait y aller. Voilà. Ensuite. On pousse. Là. Et ensuite on pousse là. Qu'est-ce qu'il m'a dit là? Mais rate un truc, s'il te plaît. Ah, j'y peux rien. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? La situation n'est pas très claire. Ah, ah, il gagne. Il chatte. Il met des cartons verts et il dit qu'il aime pas. Je suis aussi. Ok, j'ai pas compris non plus. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Du coup, j'ai Doc Emmett Brown qui sera peut-être à 5 SPP. On va voir. Ah, c'est vrai que là, cette deuxième mi-temps est plutôt chanceux de mon côté. L'attaque secrète. L'attaque secrète. C'est quoi l'attaque secrète? Le suicide de gobe. Bah ouais, de toute façon...
Alors, je passerai plutôt par là, moi. Après, ça dépend si tu réussis les esquives ou pas, mais... Parce que les GFI, du coup, tu peux pas les relancer, alors que l'esquive, tu peux. Glimdark avoue juste courir trop vite en exposant son porteur, ensuite j'avais dû faire un wave, non, tout n'est pas passé. Oui. Oui, je suis d'accord qu'il... En fait, il a trop avancé. C'est vrai qu'il a trop avancé. Après, bah pour atteindre son porteur, il fallait quand même que je fasse des GFI. Voilà, j'aurais pu claquer au moins des relances là-dessus. C'est vrai que c'est passé. Après, des GFI, hein, c'est des 2+, ça passe. Ah, ça passe quand même assez régulièrement. Pas déconner. Parce qu'on râle souvent quand ça passe pas. On râle souvent quand ça passe pas, mais on dit rien hein, quand ça passe. Bon bah on court, hein. On va laisser son troll tranquille. On va mettre lui... Alors non, on va... mettre lui là plutôt. Quoique non, on va faire des boum boum jusqu'à ce qu'il tombe. Lui je peux le mettre là en fait, j'aurais dû le mettre là avant. Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut les opportunités. Voilà le jeu. Le G. Ah, quand même. Alors, on va se mettre là, bien sûr. Au moins ça tombe. Ah, blessure. 2 SPP. Bon. C'est ça. C'est ça. Bon, bah au moins, on aura fait un peu de d'XP. J'ai un peu mal géré parce que... J'aurais peut-être dû filer ça à... Elle est où? Ok. J'aime pas Stall, alors je vais marquer tout de suite. On va lui laisser l'opportunité de faire un peu d'XP pour que ça soit rigolo pour la saison, quoi. L'opportunité de faire un lancer de gob, tout ça. Mais au moins, je pense que le match est gagné, au moins. Ça, c'est... Je pense une certitude. J'ai pas envie de mettre des bonhommes qui ont des XP sur la losse. On va reculer. Merci pour le raid, Wall. Par contre, j'ai toujours pas changé les alertes de raid. J'ai pas d'idée encore pour les alertes de LED de raid orienté Blood Bowl, donc j'ai gardé mes anciens skins. Pour l'instant, il y a juste les follow et les follow et les abonnements, je crois. Oui, abonnements, les follow et les abonnements qui ont un truc spécifique. Voilà. On va rester comme ça. J'ai écrit bah quitte rien à rien, j'ai oublié un mot. Invasion de gobos. Bah bienvenue les gobos. Bah les gobos ils sont là. Il y en a que deux hein. Il y en a que deux. Bienvenue Sito. Allez. Je la joue risquée, je la joue risquée. Allez, je tape un tout petit peu plus bas pour essayer de viser le fond du...
Dévance parfaite. Alors, est-ce que je fais chier pour son lancer de gob ou pas? J'ai envie de dire, le match est gagné, il a quand même souffert. J'ai envie de lui laisser l'opportunité de... Si, il peut faire le lancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, il peut pas faire le lancer, t'as raison. Bah, on va sauvegarder mes mecs. Bah oui, je suis con parce qu'il faut qu'il fasse le lancer, il pourra pas faire la transmission. Oui, oui, je m'en cogne qu'il marque, bien sûr. Mais je vais en... Comment dire? Soit je le faisais chier sur son lancer, ce qui est finalement le cas puisque la balle est tombée derrière et j'ai lancé la balle derrière. Soit, bon bah je protégeais mes joueurs. Est-ce qu'il va piétiner pour le fun? Push, push. Push, push. Ça va, ça tient. Ouais, 1h45 de match. Bon, ça va. Un petit point d'XP. Oh, putain. Alors par contre, il a vraiment pas de bol parce que... plusieurs fois, il a loupé sa dex. Quoi. Peut-être faire 2 points d'XP là, qui sait qu'il n'y a pas d'XP et que je pourrais... Alors on va essayer de blitzer lui. Mes bonhommes sont trop loin, j'imagine, que pour que je puisse faire un 3D. On va essayer de faire Pex Marty McFly. Et d'accord, un 4, 5, 6, ouais, je pourrais pas faire un... Salut Anishan. Je le relance. Je relance, allez. Vous arrivez sur la fin du match, mais bon. Chaque fois que je vais sur son... Ah ouais, j'ai changé de tête. Le live change de tête ou moi? Un peu de temps pour répondre. T'as l'air d'avoir perdu genre 10 kilos. Bah, ça me fait plaisir ce que tu dis, parce que c'est pas loin d'être le cas. Je sais pas si j'ai perdu 10 kilos, mais j'ai perdu du poids, oui. J'ai perdu du poids. Je suis passé sous la barre des 90, je suis content. Je suis content. Il répond pas, donc... Ah si, c'est bon, j'avais pas vu. J'attendais juste qu'il réponde. Et ouais, bon, on va regarder un peu les stats. Tu perds le 5, ça valide la peau. La peau tiquière pour le prochain match. Du coup, j'ai pas de level up par contre. J'ai un peu mal géré qui prenait les XP. Je suis pas encore assez bon avec ça. Alors... Est-ce qu'on a 47 blocages de KO, de blessures à mort? Finalement. 82 yards de course. J'ai fait des transmissions. Les transmissions sont bien passées. 12% de possession de balles. 20 blocages de KO. Merci, merci. Alors, les jets de dés. Armure 73%. Réception. Ramassage, c'est bien passé.
trois ramassages, oui, j'ai fait trois ramassages, exact. Non, en même temps, le jeu ne doit pas trop mentir là-dessus. Blessure, ok. Les paquets sont bien passés, hein. 8 paquets, 100%. Ça va. En blocage. 23 crânes quand même. J'ai fait pas mal de. En première mi-temps. Attends, je comprends pas là. Ah oui, c'était le deuxième blocage. Je croyais que c'était le premier blocage où j'avais fait de double crâne. Non. Double crâne relance. Double crâne. Le début était dur, quoi. Et de son côté? Ouais, bah du coup, il a pas fait énormément de blocs. Bon, finalement, c'est assez équilibré. Un double crâne ici. Et en termes de jet de dés. Voilà, là où il n'a pas eu de réussite, c'est. Alors mettre le paquet. 8, 10, 11. 11 en tout. 12 par 100, ouais. Ça reste correct. Par contre, le ramassage, quoi, avec Dext, deux fois qu'il loupe, plus, et après, il a fait ramassage, relance. Il échoue. Ah non, je crois, je suis pas sûr qu'il ait relancé. Je sais plus. Bon, ben voilà. Bah super, bah oui je valide le match bien sûr. Bah merci à tous d'être passés, je sais pas du tout combien vous étiez, mais en tout cas merci à tous. Je passe sur le Discord de la Belgienne, juste là, pour ceux qui sont intéressés pour avoir des siens. Bah, pas de soucis Alien, je pense que je vais streamer tous mes matchs si possible. Il y a juste fin mai, enfin vers le 26 mai où il y a peut-être un match que je sais pas si je vais pouvoir le faire. Je suis pas sûr à 100% parce que je déménage en fait. Donc ça dépendra de si j'ai une co correcte, si t'as ajouté au Discord. Merci Artag, c'est gentil. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire? Et oui, du coup, bah, là, je vais couper le stream et. Ah bah attendez, je vais vous montrer d'abord la scène blabla. Voilà, la scène blabla. Attendez un peu avant que le live soit complètement coupé, je laisserai un peu la scène d'attente pour que Alien y puisse voir. je vais raid. Ah oui, c'est pas con ça. Qui c'est que je peux raid? Morphée, il est toujours dessus. Ouais, Morphée est toujours dessus. Ok. Attends, je vous montre un peu la scène d'attente du coup. Par contre, dessus, il n'y a pas le micro, vous ne m'entendrez pas. Merci du follow, Cito. Merci beaucoup. Voilà, c'était un petit aperçu. un petit aperçu. Du coup, ouais, je vais raid Morphée, je vais passer sur le Discord de Merde Belgian pour ceux qui ont envie d'avoir des scians pour débloquer les tenues. Juste pour info, question de ligue et équipe. Voilà, ça c'est mon nombre de scians. Ah bah oui, je suis convoyé, pas. Voilà. Ça c'est en haut à droite. Alors non, en fait, il n'y a que des. Enfin, c'est la Gut Cruncher, elle s'appelle, la typo. C'est la Gut Cruncher, mais en fait, il n'y a que des majuscules. Enfin, que tu tapes en minuscule ou en majuscule, ça change rien. Ça change très peu, je crois. C'est juste que tu as des. Comment dire? Des. Comment on appelle ça? Attends, je vais remettre la scène blabla. Sur les majuscules, voilà, des petites étoiles autour. Mais la différence est pas énorme. Tu vois, genre, sur Anishan qui dit Morphée, tu le vois. Le M, t'as des pics. Et les minuscules,
Pas les pics, mais en fait, en termes de taille, c'est quasiment la même chose, quoi. Donc, effectivement. Mais on en avait parlé, je pensais peut-être changer la typo parce qu'elle finalement, elle est un peu dure à lire. Enfin, ça fait un peu too much pour ce truc-là. Donc, peut-être retourner sur une typo plus lisible, en tout cas. Et pour l'anecdote, les blocs d'affichage, là, donc j'ai recodé un peu le truc pour que ça fasse comme ça. Avec un petit peu d'aide de Gagaro. Merci Gagaro, si t'es toujours là. Parce que je suis pas très bon en CSS. Mais bon. Et en fait, c'est les couleurs du bouquin. Quand tu regardes un tableau dans le bouquin Blood Bowl saison 2, normalement, c'est les couleurs un coup sur deux de chaque ligne du tableau. J'ai juste mis une barre plus foncée pour le nom. Ça ressorte un peu mieux. Voilà. Voilà, c'était l'anecdote. Du coup, je coupe le live là. Merci à tous d'avoir suivi ce match. Et puis, au prochain match. Donc, la J2, la semaine prochaine. Voilà. Peut-être que je restreamerai du Blood Bowl, mais en fait, la CSL, ça m'ennuie. Enfin, faut jouer des teams de 9 d'armure et jouer bourrin et voilà quoi. Enfin, je trouve pas ça fun, je préfère être faire des matchs de ligue quoi. Donc, bref. Bonne nuit tout le monde et à plus tard.